Est-ce que tu es prête? Oui. Alors, ensemble... J'ai peur parce que les questions ont l'air... Ah, j'ai changé les questions, évidemment. Comme ah ouais, tu changes de questions? Putain, exactement. Je m'étais préparée et tout. Ah, c'est non. Est-ce que tu es prête? Oui. Alors, est-ce que tu es plus série US ou série française? Série US, ouais. Largement? Un peu largement. Après, non, en vrai j'adore les séries plutôt internationales. J'adore les séries allemandes, j'adore les séries israéliennes. Beaucoup les séries israéliennes. J'adore les séries ouais, de partout en fait. Israéliennes, ça cartonne, parce que Julie Zenati m'a dit exactement la même ouais, chose. Ouais, c'est trop bien. Il y a énormément de séries israéliennes qui sont reprises partout, qui font des remakes. J'ai oublié le mot remake alors que je joue dans un remake. Très bien, tout est normal. Tu es plus gâteau aux fruits ou gâteau au chocolat? Gâteau au chocolat. Ah. Totalement. Ah, je n'aime pas les gâteaux aux fruits en fait. Tu es plus Blanche-Neige ou Cendrillon? Alors, on va pas se mentir, les deux ont les pires destins si on écoute, si on lit les vrais trucs. Il faut connaître les vrais contes qui sont assez horribles. Mais attends, du coup, c'était qui les deux, Blanche-Neige et Cendrillon? Cendrillon, c'est ça. Les deux finissent quand même mariés, hein. Il y en a une qui a un mariage où elle se fait crever. Tu peux aimer les deux sinon. Ouais, les témoins sont crevés les yeux. Et l'autre, elle fait danser sa belle-mère avec des souliers de. Bref. Je sais pas, les deux, j'aime bien les deux. Tu es plus ordi ou téléphone? J'ai pas d'ordi. C'est ah ouais. C'est horrible. Je vais en acheter un là parce que c'est mon cadeau de Noël. Enfin, cadeau. C'est... On me donne un petit peu d'argent pour que je puisse en acheter un. Mais non, j'ai jamais eu d'ordi de ma vie. C'est terrible, je suis une cassos de l'internet. J'ai que un téléphone avec lequel je fais tout. J'ai un iPad et c'est tout. Qui date des années 2000. Même pas, je sais même pas s'il date de 2010. Là. Tu es plus rêve ou réalité? Oh là là, c'est profond. Rêve, quand même. Ouais, voilà, même si je suis une grande insomniaque, mais je préfère rêver. Mais rêver dans la réalité, c'est tout. Voilà. C'est tout ça. Voilà. Tu préfères sauna ou hammam? Hammam. Pourquoi? Alors déjà, c'est un choix de riche, on va pas se mentir. Hein. dans tous les cas, je suis contente. Mais non, sauna, parce que c'est plus hammam, pardon, parce qu'il y a... On peut mettre de l'eucalyptus, voilà. Oui, je vois. On se sent bien. Alors que le sauna, faut rester vraiment pas longtemps en plus. Voilà. Tu es plus bain ou douche? Alors, bain, mais j'ai un problème, c'est que je reste très longtemps dans le bain. Donc, voilà. Donc il refroidit limite le bain, à la fin il devient... Ah il est froid à la fin, mais je rajoute de l'eau chaude, tu vois. Mais non, bain c'est quand même... c'est trop bien. Bain et douche au quotidien, disons, parce que... Oui. Ce serait étonnant. Mais disons que non, mais des bains tous les jours, ce serait galère. Même pour la peau, je suis pas sûre que ce soit bien. Tu es plus chocolat noir ou chocolat blanc? Ah non, chocolat noir, tu parles à une belge. enfin, non mais oh, c'est pas du chocolat. Tu es plus Atlantique ou Méditerranée? Atlantique. Non, ah ouais? Je sais pas, pour moi c'est... Ouais. Tu es plus printemps ou automne? Printemps. Ah, on est l'automne, d'accord. Ça me... Je sais pas, il y a un peu les feuilles qui tombent de partout, qui ont la même couleur, qui machin. Ouais. C'est triste, c'est bientôt l'hiver. Puis voilà, alors que le printemps c'est des petites fleurs, machin, avec des printaniers, des trucs. Tu es plus Superman ou Spider-Man? Ou aucun des deux, parce que là je te sens en mode... Spider-Man et Superman, d'accord, ok. Non, parce que j'ai eu un bug, j'ai pas... dans ma tête, je les ai pas revus visuellement. Ah oui, alors... non, alors j'adore, on va dire dans les films, je préfère les Spider-Man. Ok. Voilà. Tu es plus lecture ou écriture? Oh... Parce que c'est important, la lecture et l'écriture. Ah oui, bah oui. Moi j'écris beaucoup. Et je lis moins parce que j'ai un déficit d'attention assez énorme, alors je commence à lire et puis je fais des fleurs. mais non, c'est vrai. Mais j'adore lire, j'adore et j'écris plus quand même, j'avoue, j'écris beaucoup plus. Ton shopping, tu es plus shopping en ligne ou shopping en magasin? Je vais faire une confidence, je n'achète rien. C'est vrai? Je ne suis pas du tout shopping. Je dois être habillée pour à peu près 3 euros sur mon actuellement. Je fais que des recyclages de fringues, je suis pas du tout shopping, du tout, genre de nulle part. C'est bien le recyclage? Ouais, bah faut, oui, faut mieux quand même, parce que sinon on exploite des gens de partout. Mais j'avoue, non mais c'est même pas par choix politique ou quoi que ce soit, même si je trouve ça chouette. C'est vraiment parce que j'aime pas ça. Tu es plus pain au chocolat ou croissant? Au chocolat. C'est bien, je vois au chocolat, chocolatine, tout ça.
L'instant qu'il y a du chocolat. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais parce que j'ai pas compris cette polémique. Parce que, comme je vous dis, moi, là, en Belgique, nous, on est avec. On a des couques, des pistolets, des machins, des trucs que vous ne connaissez pas forcément. C'est quoi tout ça? Des couques et des pistolets, c'est un petit pain. En fait, déjà, en Belgique, il y a que des gens qui mangent des sandwichs au moins une fois par jour. Donc, le midi ou le soir, il y a toujours un repas froid. Ah. Et donc, du coup, les pistolets, c'est des petits pains. Je sais pas, on n'a pas trop ça en France. Hein, c'est de la nourriture. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, j'ai pas compris le truc de chocolatine pour chocolat, mais enfin, ce truc-là avec du chocolat, quoi. Et enfin, dernière question, tu es plus maison ou appartement? J'ai toujours vécu en appartement. Après, mon papa habite dans une maison. Pas varié du tout, hein, dans le centre de la France. Et non, moi, j'aime bien les petits appartements. C'est bizarre, hein, j'adore les petits appartements. Ouais. Bon bah. Tu peux peut-être par habitude aussi. Tu peux vivre à Paris alors. Voilà, c'est ça. Bon, bah super. Bah, ça marche. Bah, merci beaucoup. Cool, merci.